Check one, two. Le colonel-major qui passe en revue le détachement. Commandant du détachement militaire pour ce jour. À vos armes, colonel. Le chef de mission qui passe en revue les troupes. Nous allons exécuter les hymnes nationaux des deux. L'interprétation sera assurée par... Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission, mesdames et messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, mesdames et messieurs les responsables de l'association ivoirienne et de la société civile, honorables invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la cordiale et fraternelle bienvenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à Kouaba. Au nom du président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, du gouvernement ivoirien et du peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier vivement d'être venu participer avec nous à la célébration du 58e anniversaire et l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Votre présence ici distinguée témoigne de la grande amitié et d'intérêt que vous portez à la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la date du 7 août est chargée de symboles, de valeurs et d'émotions gravées dans les cœurs et les esprits de tous les Ivoiriens. Cette célébration est certes un moment privilégié de réjouissance, mais elle offre surtout l'occasion de dresser le bilan de l'évolution de la nation. Nous célébrons les 58 ans d'existence d'une nation qui, dès son accession à l'indépendance, s'est projetée dans une vision d'un État leader au service de ses populations et de l'Afrique. C'est donnant pour symbole l'éléphant et pour choix stratégique de départ, l'agriculture et l'éducation, adossée au libéralisme économique, la Côte d'Ivoire s'est courageusement engagée sur le chemin dynamique du développement avec ses nombreux défis et opportunités. Au cours des deux premières décennies, la Côte d'Ivoire, grâce à la vision et au leadership du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, a réalisé des exploits économiques qualifiés en son temps de miracles ivoiriens. C'est l'âge de la majorité acquise, c'est-à-dire celui où l'éléphant se tient sur ses quatre pattes. Cette période de face sera suivie de deux autres décennies marquées par les crises économiques profondes qui ont plongé le pays dans une zone de turbulence socio-politique, avec pour conséquence la longue crise politique à traverser de 2000 à 2010. C'est la période des doutes, des replis, des turbulences au cours de laquelle l'éléphant s'agenouille, mais ne tombe pas. Après l'intermède de la période de crise, qui est aujourd'hui loin derrière nous, grâce à la volonté du peuple ivoirien,
et du soutien de la communauté internationale, dont les États-Unis, que je tiens à saluer, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, a rapidement renoué avec la paix, la stabilité, la sécurité, et donc en marche. De nouveau, c'est le relèvement de l'éléphant qui se tient debout pour faire face à son destin. Ces pays réussissent son positionnement sur la scène internationale et clament en quelques années des succès dans tous les domaines. Au plan politique, le président de la République soucieux du renforcement de la cohésion sociale nécessaire de mener des actions dans le sens de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. À cet égard, le président de la République a annoncé hier dans son adresse à la nation la signature d'une ordonnance portant amnistie en faveur de 800 personnes poursuivies et ou détenues pour des crimes en lien avec la crise post-électorale, dont Mme Simone Veil-Gbagbo et d'autres personnalités politiques. Toujours dans la consolidation des nombreux acquis sociopolitiques de ces dernières années, le président de la République s'est résolument engagé en faveur des élections transparentes et ouvertes à tous en 2020 avec une forte détermination d'engager la classe politique ivoirienne actuelle à opérer un transfert générationnel du pouvoir. Sur le plan économique, les réformes initiées par le gouvernement ivoirien dans tous les secteurs, notamment les services, l'agriculture, l'industrie, les mines, l'énergie, les infrastructures et la construction ont permis de hisser le pays sur la voie de la croissance dès 2011. Ces réformes ont permis à la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de croissance de moins 4,7% en 2011 à une croissance moyenne annuelle de 8% jusqu'en 2017. À ce jour, les prévisions indiquent que l'économie ivoirienne poursuivra son expansion avec la réalisation des grands chantiers de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement. Dans le domaine des investissements, notre pays demeure une destination sûre grâce à l'amélioration du climat des affaires et de la mise en œuvre des mesures incitatives dans tous les secteurs du développement. Toutes ces avancées ont été possibles grâce aux efforts du gouvernement ivoirien qui a permis de faire baisser l'indice de sécurité à 1 dans les mêmes proportions qu'à Londres et à New York. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est au travail pour être émergente à l'horizon 2020, avec comme ambition majeure de réussir le pari de la transformation sur place des principaux produits agricoles en accroissant de façon significative la contribution du secteur industriel dans la création des richesses et des emplois. Cette politique de transformation structurelle de l'économie qui vise à lutter efficacement contre la pauvreté par l'augmentation de la valeur ajoutée s'est fait avec une forte implication du secteur privé. Au plan international, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, a obtenu son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 2018. De même, la Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu l'organisation de la prochaine Assemblée plénière du Comité consultatif international du Coton en 2018. Au terme de la récente session du forum ministériel à Goa tenu à Washington DC, la Côte d'Ivoire a été désignée par l'ensemble des pays participants pour abriter les assises du prochain forum à Goa en 2019. Au niveau culturel, la Côte d'Ivoire a obtenu l'inscription du masque Zaouli, symbole de la musique et des danses populaires des communautés rurales du centre-ouest du pays, au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Au plan de la coopération bilatérale, je voudrais me féliciter de l'excellence des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis depuis l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. Les chefs d'État ivoiriens, pour qui ces relations sont hautement privilégiées, mettent tout en œuvre pour favoriser leur consolidation. Aussi, cette fructueuse coopération s'est soldée ces derniers mois par les résultats suivants. La signature en novembre dernier à Washington DC du programme Compact MCC Côte d'Ivoire d'un montant de 525 millions de dollars destiné au secteur des transports et de l'éducation.
la signature de l'accord entre le gouvernement ivoirien et l'entreprise Hershey pour la construction d'usines de production de barres alimentaires au profit des écoles ivoiriennes. Le lancement des voies inaugurales à Abidjan, New York, depuis mai 2018. La signature d'importants accords de coopération lors de la récente visite du secrétaire adjoint américain au commerce. Le renforcement de la participation et la participation régulière des jeunes Ivoiriens boursiers au programme YALI. Excellences, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur ses amis et partenaires, bilatéraux et multilatéraux, qui lui ont toujours apporté les appuis nécessaires dans sa marche vers le développement. C'est ici l'occasion de lancer un appel vibrant à tous, fils et filles de Côte d'Ivoire, membres de la diaspora, afin que vous ayez toujours foi en l'avenir radieux de votre pays. La diaspora ne peut et ne doit être en marge de la dynamique de développement de la Côte d'Ivoire. En vous rappelant l'appel constamment lancé par le président de la République à prendre la part qui vous revient dans le processus de reconstruction et de relance économique de la Côte d'Ivoire, je vous invite à renforcer votre contribution au développement de votre pays. Bonne fête à la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu, terre d'hospitalité où toutes ces 63 ethnies, les races du monde s'y retrouvent. Locomotive de l'UMOA, deuxième puissance économique de la CDAO après le Grand Nigeria, le pays des grands footballeurs Didier Drogba, Laurent Pokouyé à Touré. Le pays des grands athlètes Muriel Aouré et Marie-José Talou. Est une puissance agricole et un immense potentiel industriel, minier, minéralier. Le pays d'accueil des talentueux fils d'Afrique, Mamoudou Bango, Salif Keïta, Boutanda Maïga. Le pays du rire et de l'humour. Chers Côte d'Ivoire, nous sommes et resterons unis malgré les vents contraires, malgré nos replis et nos doutes, malgré les reproduchements. Chers Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de toi. Bonne fête à toi et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à tout le monde. Sans transition, nous accompagnons son Excellence avec des applaudissements nourris. J'ai l'honneur d'inviter M. Robert Scott pour son discours. Your Excellency, Ambassador Haidara, colleagues from the Embassy of Cote d'Ivoire, colleagues of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen, I'm honored to join you this evening to commemorate the 50th anniversary of Cote d'Ivoire's independence. As we observe your National Day, we have plenty to celebrate. Cote d'Ivoire's economic growth, as you noted, over the last few years is impressive and has rightfully attracted the attention of the American private sector. As you also pointed out, it attracted the visit of the PAC DDIA. That was a very important trip and visit, and something that we'll be working on in the coming months and the years. We are pleased to see an increase in partnership with American firms and businesses. We are also pleased that Cote d'Ivoire is the United States' largest Francophone African trading partner. Your country's leadership on the global stage, in particular, your leadership at the UN Security Council, has helped make the world a safer place. We look forward to building on this cooperation to promote peace on the continent. We will continue working together to solve some very difficult security problems, including North Korea and the spread of terrorism and violent extremism. Cote d'Ivoire also is working to undertake the reforms necessary to ensure that its economic growth and global leadership are sustainable. We are honored to support those efforts. We commend your ongoing efforts to become more open, more free, and stronger, both economically and democratically. We look forward already to the 2020 elections to build on Cote d'Ivoire's democratic development and further open up political space. Thank you again for this opportunity to celebrate with you today. I would also note that it was a pleasure to be with you at our AGOA forum, where you had the last word, except from Ambassador Yamamoto, who always has the last word. But again, congratulations on hosting next year's AGOA forum. Our team at the State Department and other agencies very much look forward to coming to Abidjan. I think it will be something that will be very successful. So again, I offer my personal best wishes to Cote d'Ivoire and the Ivoirian people.
In addition, I'd like to take this opportunity to reaffirm our strong bilateral partnership on this occasion, again, the 58th anniversary of the independence of Cote d'Ivoire. Congratulations and happy birthday. C'est un essai. La reine mère fait son entrée du côté gauche. Tout le monde est content que le président ait entendu la voix du peuple. Le peuple demandait la réconciliation et à la surprise générale de tout le monde, le président a pris le wagon et a avancé dans le sens de ce que tout le monde attendait. Félicitations. Je peux vous dire que je suis à Washington et toutes les personnes que j'ai rencontrées au département d'État, à la CIA, un peu partout, au département Afrique, au Congrès, ils sont extrêmement contents et pensent qu'avec cette nouvelle réconciliation, la Côte d'Ivoire va repartir. Je souhaite une bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirienne, c'est une fierté pour moi d'appartenir à cette nation et je remercie le président de la République pour le geste qu'il a fait hier, qui est un geste qui vaut mille ponts, monsieur le président de la République, le geste qui va réunir les Ivoiriens entre eux afin que nous puissions construire ensemble une Côte d'Ivoire forte. La Côte d'Ivoire est un pays béni et vraiment du fond du cœur, je dis vraiment merci au président Alassane Dramane Ouattara et que je dis la paix et l'amour, célébrons la paix et l'amour pour tous. Merci. Pour moi, c'est un acte majeur que vient de poser le président de la République. Et je crois qu'il est conscient que c'est un acte que toute la Côte d'Ivoire attendait. Je serai le dernier à être mécontent de cet acte-là. Et c'est un acte, comme je le disais, un acte majeur qui finalement tombe sur le pays comme, si vous voulez, qui a l'effet d'une pluie, par exemple, du désert, sur les plaines du désert. La Côte d'Ivoire attendait ça. Tout le monde attendait cet appel. Il a fait, c'est cela la marque des grands dirigeants, savoir à quel moment un peuple attend tel acte de vous. Il a posé, nous sommes tous contents.